Seigneur, voici ma vie, voici ma vie, ma vie, ma vie. Seigneur, voici ma vie, je te donne ma vie, mon Jésus est. Ma vie, toi n'es rien. Seigneur, voici ma vie. Tu connais ma vie. Jésus, oh, aide-moi. Sans toi n'es rien. Seigneur, voici ma vie. Tu connais ma vie. Oh, oh, oh. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Mes problèmes, mes limites, mes combats et mes peines. Seigneur, voici ma vie. Bénis-la, protège-la. Ah. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans oh. toi, elle n'est rien. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans oh. toi, elle n'est rien. Mon Jésus, aide-moi. Sans toi, elle n'est rien. Mon Jésus, sauve-moi. Sans toi, elle n'est rien. Zamariwa inna hesna. Saburumiwa inis prami kalefani. La in wa inas parosa, rabanatista udales, man kerias man avenata, morado belos min evan telasa felagei. Recommande à Dieu, Seigneur, ce matin. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, voici ma pauvre vie, elle n'est rien sans toi. Oh mon Dieu, je t'aimais. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici toute ma vie. Tu me connais, tu sais que je t'aimais. Sonde mon cœur, tu le verras. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, Seigneur, je suis malheureux. Je ne suis rien. Sans toi, Jésus, je suis perdu. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, mon Dieu, je suis fini. Sans toi, je ne suis rien. Besoin de toi tous les jours. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi chaque jour. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi maintenant. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi tous les jours. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, voici ma vie, voici ma vie, ma vie,
ma vie Seigneur, voici ma pauvre vie, mes problèmes, mes limites et mes pleurs, mes douleurs et sans toi et rien. Oh, 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 oh. Sans toi et rien. Oh, 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 oh. Sans toi et rien. Mon Jésus aide-moi. Jésus est sauvez-moi. Sans toi je suis rien. Mon Jésus est soutiens-moi. Sans toi je suis rien. Mon Jésus est bénis ma vie. Sans toi je suis rien. Mon Jésus est secours-moi. Sans toi je ne suis rien. Je voudrais que tu profites pour parler à Dieu ce matin. Parle-lui dans sa profondeur. Dis le Seigneur, voici ma vie. Demain je descends de cette montagne. Seigneur, donne-moi quelque chose sur cette montagne. Donne-moi quelque chose, Seigneur. Give me something, Lord. Donne-moi quelque chose, Seigneur. Give me something, Lord. Seigneur, voici ma vie. Tu connais ma vie. Jésus, oh, Jésus. Seigneur, voici ma pauvre vie. Mes problèmes, mes limites, mes blessures, guéris-les. Sans toi, oh. Cette montagne, sans toi nous ne sommes rien. Console nos cœurs sur cette montagne, sans toi nous ne sommes rien. Oh, 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 oh. Samota men
ane dalika rabuni filiman tau dalestau apestau del kafera men axli. Dis mon père mon Jésus. Say my father and my Jesus. Je prie. I pray. Visite moi sur cette montagne. Visit me on this mountain. Père, Father, que je ne descende point. Let me not come down. Comme je suis monté. The way I came up. Que ta grâce me préserve. May your grace preserve tout au long de cette année. All through this year. Njevaro. Sero. Njevaro. Sera me. O sera mi more vode. Echevaro. Sero. Melo. Echevaro. Uxuru. Melo. Sero. Chevaro. Ajona. Sero. Adonai, Serave, Gorami Morebo de No. Esperazo, Surumi, Maruve. Ejevaro, Malado, Sero, Felo, Jerami Morebo de Eixero, Era. Suru Jevaro Jera mi more bojelo Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Lord, we bless your name. Laksamana udalef laula ismen. Rabboni filias men adresto. Baroki wa inos moda udali fanta udaman scratch. Père, que ta gloire nous revête. May your glory cloth us. Que ta gloire revête 2022 et tout le reste de nos années. And all the rest of our Seigneur, Lord, donne-nous de pulvériser des records avec toi. De réussir où nous avons échoué cette année. 2022 ne peut pas être une année de tristesse, mais une année de gloire, une année de relèvement, une année d'élévation, une année de consolation. Seigneur, tu nous as frappés. Tu nous as blessés. La nation toute entière. Tu as secoué ta maison. Seigneur, il est temps que tu consoles nos cœurs. Bastoun wa ines malita udalavo. Maros manita udali falek in abenas leika. Robanaus min avlish min talakata wa anna umora. Seigneur, laisse ta gloire nous revêtir. Demain nous descendons. Mais nous ne descendons pas seuls. Que des cohortes angéliques nous accompagnent. Que ta main forte nous accompagne. Que ton droit réécrive notre histoire. Que les erreurs que l'ennemi a introduit dans les paragraphes de nos vies soient rectifiées par le sang de Christ. Que ton doigt écrive une grande histoire pour chacun de nous, pour chacune de nos familles. En tout cas, Seigneur, quel ennemi ne nous reconnaisse pas en cette année 2022. Tu nous accorderas la grâce de réaliser de grandes choses, d'écrire une grande histoire que seul le doigt de Dieu peut écrire dans la vie d'un homme. Nous espérons en toi, Seigneur. Nous sommes venus parce que nous croyons en toi et nous ne serons pas dans la confusion. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Jevaro melo. Jevaro melo. Zagoveri. Ixurumir, tero. Ixurumir, tere, jaromero.
Ξέρα βο, είλα λαού με λόξερι. Ξέρα βο, κέρι, σωρό με ρε. Προσπέρα βο, κέρα ου με λόι. Ξέρα βο, κέρι, σαρό βελό. Espera vo, mala ulem loxeri, e kera mir, seri, sarumela. E che vo, tora mi molegoi, e xera malo te malo se vo, kera mi malago, tora mi molegoi, bazara mi malo. Sura mi moraba na sevore, exeravo, maro, exeravo, maro, sago vere. Ospera zé, mala olem loxere, ospera zé, jere, sago mero. Amen. Avant de parler de la lampe de Dieu, laissez-moi vous parler de quelque chose. Vous voyez, you see, l'église de Dieu the church of God est basée sur certaines doctrines. Is based on certain doctrine. Jésus-Christ est vivant Jesus Christ pour l'éternité. Is alive for eternity. Il est le même He hier, aujourd'hui, éternellement. Forever. Amen. Amen. Après la prière de midi, je veux recevoir tous les leaders de Réma. Chacun doit me dire à quelle heure il est monté sur la montagne. Amen. Et après eux, je vais recevoir tous les pasteurs qui sont ici. Je vais m'entretenir avec eux pour des moments de conseil. Après les pasteurs, je vais recevoir toutes les femmes pour des moments de conseil. Et après ça, tous les hommes pour des moments de conseil. Amen. Amen. Donc, so, Jésus Jesus est vivant. Is alive. Il a dit dans Jean 11, verset 25, « Ego eimihe anastasis kaito hezoe, opison eis emeta apotane zesetai. » Quand on dit en grec « ego eimihe », c'est-à-dire « moi je suis », c'est une forme réflexive, it's a reflexive qui marque l'insistance. That shows moi, I je suis. Am. Ça veut dire que, maman, tu as fait comment? Samuel a failli verser l'huile de David chez Elia. Dieu lui a dit que non, c'est terrible. C'est comme une maman, hein? Exactement. Un jour, j'avais un problème. Je suis arrêté sur la rue de Douala. I stopped on the road of Douala. Une de mes filles m'a reconnu. One of the, my daughter noticed me. Elle avait un jeune garçon. She was with a young boy. Et elle était potelée, nombreuse. Oh papa! Et j'ai un garçon qui était avec aussi. Oh papa! Et j'étais. Oh mes fils! Oh mes enfants! Comment oh, vous allez? Children, how are you? Tout le monde était content. Everybody was happy. J'ai, ah, j'ai dit, vous vous ressemblez. Wow. C'est ton premier fils. Is it your first son? Ou le deuxième? Elle dit, c'est mon mari. She said, it's my husband. Imaginez-vous mon embarrassement. Imagine non, non, imagine, mettez-moi à ma place. C'est-à-dire que le prophète doit chercher un autre moyen pour faire comme si de rien n'était. Like elle était embarrassée. She was son mari embarrassé. Moi encore plus embarrassé. Donc c'est ça qui m'arrive encore aujourd'hui. That's que maman, tu as fait comment pour atterrir ici? N'est-ce pas, on avait dit que
Voilà votre camp là-bas. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Donc, vous voyez, so you see, Jésus-Christ Jesus dit, je suis Christ la résurrection, moi. Says, me, ego emi I anastasis. Moi, je suis la résurrection. Me, I am resurrection. Ça veut dire que, hormis moi, it means, apart from personne me, d'autre n'est la résurrection. No one else is resurrection. Voici notre frère, je mets un peu de bouche, s'il te plaît. This is this our brother. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, lui il est venu vendredi story, passé. He came last Friday. Il faisait des crises de folie. He had crisis of madness. Et on a dû l'attacher. He was to be tied. Et après la prière, le and Seigneur after prayer, the Lord l'a restauré. Restored him. Et je suis béni de le voir sur la montagne. And I am blessed to see him on the mountain. Amen. Et ce jeune homme, and this young man, le diable a voulu détruire sa vie. The devil wanted to destroy mais Jésus-Christ, la résurrection, Christ, la vie, resurrection and l'a life, rencontré encountered him, et a redonné la vie and gave back life à sa vie. To his life. Juste pour vous dire que Jésus-Christ est vrai et quand nous prions, Dieu nous entend. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il fasse de toi un grand homme au-delà des frontières de ce pays au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. Non, non, assois-toi. Non, non, assois-toi. Si je ne t'avais pas levé, tu allais parler. Assois-toi. Les questions vont venir après. Donc, bien-aimé, Garutawa Anasmelzo, j'ai dit que le christianisme a des doctrines fondamentales. C'est capital de les connaître. L'une des doctrines fondamentales de la foi chrétienne, c'est ce qu'on appelle la glossolalie. La glossolalie. La glossolalie, c'est la partie de la théologie qui étudie le parler en langue. Tu vois, tu parles en langue sans connaître même comment on appelle ça. Glossolalie, ça vient du grec glossa. Glossa veut dire langue. Maman, lève-toi. Tu es tombé avant même le lever du jour. Lève-toi, va dans ta tente. C'est la deuxième fois. Hein? J'ai entendu quelqu'un dire encore. Et celle était déjà tombée. Elle était déjà tombée. Lève-toi, maman. Va dans ta tente. Donc, vous voyez. So you see, si quelqu'un veut vraiment suivre la réunion aussi. Quand le really sommeil vient, il va se lever comes, lui-même. He will stand himself. Il va écouter tant de vous. And listen, why une armée indisciplinée ne peut remporter aucune bataille. Cannot overcome any battle. J'ai béni Dieu pour l'armée camerounaise. Mais j'ai vu des vidéos sur Facebook. Là, I saw videos on envoie Facebook. Des attaques des Amazoniens qu'ils envoient sur Facebook. The attacks of Amazonians they send on Facebook. Moi, je n'ai pas vu l'armée, notre armée. Je tenais comme nous on voit souvent dans les films là. Standing like you always see in movies. J'ai même vu un qui n'avait même pas de casque sur sa tête. On tirait sur eux. Et ils marchaient en désordre. Moi j'ai cru qu'on allait les voir là, en ligne, serré, serré. L'un il regarde derrière comme ça. Il regarde comme ça. L'autre regarde ce côté. L'autre regarde ce côté. Puis tu avances. Comme on voit dans le film. Non, eux, ils marchaient. Eux. They were working. C'est eux là-bas, c'est eux là-bas. It is them there, it is them there. Et ça m'a beaucoup inquiété. And it worried me a lot. Amen. Nous Amen. Allons prier pour la paix dans ce pays. We are going to pray for peace in this country. Vous voyez. You see. C'est pas mon enseignement, mais j'ai voulu marquer un point sur ça. But I wanted to mark a point. L'apôtre Paul dit ceci en ce qui concerne le parler en langue Apostle et le baptême Paul dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est le signe initial du baptême. Le parler en langue est le signe initial, la preuve que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. On ne peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue. Si tu ne parles pas encore en langue, ça veut dire que tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Parce qu'il n'existe personne dans la Bible qui était baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue. Et si tu es un enfant de Dieu, tu ne parles pas encore en langue, tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es misérable, sincèrement. C'est-à-dire que tu manques l'essentiel. That is, you lack the essentials. Tu manques l'essentiel.
You lack the essential. Parce que because il est compliqué d'être un chrétien spirituel sans le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas pour le salut. Baptism in the Holy Ghost is not for salvation. C'est pas pour le salut, ça ne te sauve pas. It does not save you. Non. No. Mais but nous sommes sauvés, nous savons, par la foi. Faith, nous sommes sauvés gratuits, par grâce, what au moyen grace, de la foi. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, hein, tu confesses dans ton cœur qu'il est reçu dans le monde, tu seras sauvé. Donc c'est l'acceptation de Jésus-Christ. La Bible dit Ode elabon auton, edoken autois exousia, tegna teyou. Genestai, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être conçus et enfantés par Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est ceux qui ont reçu Christ. Donc, quand tu crois en Christ, tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Mais, après cela, il y a une catégorie de chrétiens qu'on appelle les témoins de Christ. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez un témoin. On ne naît pas témoin de Christ, on le devient par le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, tant que vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit et que vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas un témoin. Et il faut savoir que le mot témoin, c'est martos, en grec, qui signifie des martyrs. Donc, le passage veut dire, et vous deviendrez mes martyrs. Les martyrs. Et dans le sens grec du mot, témoin veut dire quelqu'un qui n'a plus froid aux yeux. Il n'a pas honte de Christ. Le Saint-Esprit lui donne la puissance d'être capable de mourir à cause de sa foi. Mais celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il est compliqué qu'il meure pour Christ. Il est compliqué qu'il fasse face à certains problèmes. Et en plus, c'est un homme charnel. De le baptême dans le Saint-Esprit est important dans la vie du chrétien. Et puis il y a tellement de pouvoir. Il dit qu'on recevait une puissance. Donc quand l'Esprit de Christ descend en toi pour le baptême, tu deviens puissant. Tu as la puissance de Dieu en toi. En fait, tu es différent d'un chrétien qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le parler en langue. L'apôtre Paul dit ceci. Aussi nombreuses qu'existent les langues sur la terre, il n'existe aucune d'elles qui soit une langue inintelligible. Ma fille, tu es tombée. Ah, tu es debout, d'accord. Mais je veux voir tes yeux. Laisse-moi, je veux des contacts. Il ne faut pas baisser la tête. Tu dois contrôler vos yeux. Amen. Donc, qu'est-ce que Paul voulait dire? Quand je parle en français, là, c'est comment? C'est clair, non? It is clear when I speak in French. Ah, tu sens que c'est une langue vivante, non? You feel it's a bah, imagine-toi language. Que j'arrive et je dis baba ba, imagine ba, 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 bobo. Baba ba, bobo. Bobo, baba ba, bibi. Babo, bo, baba, bibi. Bibi, baba, bobo. Bobo, 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 bibi, bibi, baba. Est-ce qu'il y a une langue, quelqu'un a une langue maternelle ici comme ça, qui est basée sur trois syllabes? Ba, like bo, bi. On three syllables. Hein? Mes amis, le parler en langue, ce n'est pas babababababababahori babababobobo. C'est qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Ce n'est pas le parler en langue. That's not speaking in tongues. Tu arrives dans une église, tout le monde parle la langue du pasteur. Dès que le pasteur lance bababa, l'autre répond bobobo. L'autre dit bababa, bobobobobobo, habababababababa. Du premier au 31, toi-même, ça ne te dit rien comment. Ça ne te pose pas tous les jours. Baba, bobo, bobo. Ah, baba. Et tu viens m'insulter, mon ami. And you come and insult me, my friend. Avec baba. Ce n'est pas le parler en langue. That's not speaking in tongues. Le parler en langue doit être une langue authentique. Speaking une langue intelligible. Toi-même, tu parles français, language. Là, tu n'es pas content. You speak French, are you not happy? Donc, la Bible dit qu'il y a deux origines du parler en langue. The Bible says that two il y a l'origine humaine, les langues des hommes the ou les langues des anges. Or the tongues of angels. J'ai connu des gens, quelqu'un dit, ba, 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 ba. J'ai dit que frère, c'est quoi? Tu fais quoi?
Il dit que tu ne sais pas. He says, you don't know. Si tu ne m'expliques pas, je saurai comment. If you don't explain, il dit que c'est la langue des anges. It is the tongues of il dit, ah, donc Dieu lui nous a donné les vraies langues, c'est ça, pas qu'il manque les mots là-bas. C'est qu'une syllabe qui leur est restée au ciel, que baba. Ça veut dire, Seigneur, je t'adore. Baba veut dire, je t'aime, Dieu. Je lui ai dit non. I said no. Je priais une fois en Bankim avec une sœur. Parce que les gens, les pentecôtistes, ont fantomisé le Saint-Esprit. Et on priait avec une sœur. Et pendant qu'on priait, elle s'appelait la sœur Hélène. She was called Sister Hélène. Non, c'est Élise. On priait. We were praying. Alors, genre, ah, elle commençait doucement et le volume augmentait au fur et à mesure. Elle crescendo. And the volume increased. Pendant que la prière était, je me suis approché d'elle. I came close to her. Tout le monde était dans la prière. Elle m'était concentrée. J'ai tapé son épaule. Elle ouvre les yeux en me regardant. Je lui demande à l'oreille doucement que tu as mangé le piment. Elle me demande pourquoi. She asked me why. Je suis passé depuis, tu fais. I said, because since you're doing. Elle dit que tu ne sais pas. She said, you don't know. Elle dit que je parle en langue, c'est le Saint-Esprit, non? Tongues, now. It's the Holy Ghost. Je dis, ah, ok, je crois que tu as mangé la sauce pimentée. I said, okay, I thought you ate pepper soup. Et beaucoup de personnes, lorsque tu parles en langue, mon ami, et que tu dis les mêmes choses du 1er au 31, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut que tu saches ça. Tu ne parles pas la langue. Beaucoup de personnes imitent en langue. D'autres blessent en langue. D'autres zozotent en langue. D'autres glougloutent en langue. Mais c'est tout sauf le parler. Alors, il y a même les pasteurs qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire une histoire. Quand j'étais au séminaire de théologie des assemblées de Dieu, nous avions le surveillant des étudiants qui ne croyait pas au parler en langue. Parce qu'il était frustré. Parce que dans toutes les églises, c'était chaud à l'époque. Shaka Zulu. Vous savez que tu t'imagines, tu pars en France. You imagine yourself, you go to France. Tu parles en langue. You speak in tongues. Oh, Azabawa Morom. Azabawa Moromza. Et ils vont croire que tu es basé dans le Saint-Esprit. C'est ce que beaucoup de gens font. The Holy Ghost. That's what many people do. Donc, nous avions notre surveillant so we had a supervisor qui ne croyait pas en la glossolalie who did not believe in speaking in à cause de ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Et c'était, dès que ça commençait, ba-ba-ba, ça prenait à gauche. C'était comme le feu qu'on a embrasé la forêt avec. Ba-b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 a-
maestrie avec le goût dedans, avec le, la basse, toute l'église c'était all the church, mais après quand tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Comment quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit peut dire qu'il ne comprend pas la Bible quand il porte le consolateur, celui de qui il a été dit, mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous expliquera, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça la différence entre un chrétien baptisé du Saint-Esprit et celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il t'explique la Bible. Lève-toi. Tu dors. C'est que quand on dort, on ne se rend pas compte. Tu es en forme, oui, moi-même. Mais lève-toi quand même. Toi et moi, tout le monde est en forme. Va dans la tente. C'est que l'instant où tu dors là, tu ne te rends pas compte que tu es allé dans l'autre monde, tu es revenu, c'est ça.
Je veux comme quelqu'un qu'on délivre d'un démon. Il se dit, oh, qu'est-ce qu'il y a, je suis où? C'est comme ça, oh, le sommeil. Voilà, oh, moi qui te regarde, je vois bien comment ta tête allait tomber. Donc, regardez. So look. Nous avons fait 2 années. J'ai fait 2 années au séminaire de théologie. In the seminar of theology. Mes amis. My friends. Quand tout le monde prie en langue, moi je prie en langue. Et ma façon de parler en langue a fait que mes professeurs, même le doyen de notre séminaire théologie, quand il arrive, il donne en langue. Quand les gens apprennent, quand je commence à prier en langue, lève-toi ma main. Lève-toi. Tu as dormi. Lève-toi, va dans ta tente. Donc, lorsque, si tu veux vraiment me suivre, tu vas te lever. Toi, mais tu n'as pas besoin que tu as te lever. Dis amen, les yeux ouverts. Lorsque je parlais en langue, il baissait le ton pour m'écouter parler en langue. So hear me speak in tongues. Parce que j'étais le seul en classe qui ne mettait pas bobobo dans mon parler. Et donc pour eux, parler en langue, c'était dit bobobo. Lorsque le faux remplace le vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand nombre de faux que le faux sera vrai un jour. Non, mes amis, vous devez connaître les vraies bases de l'enseignement biblique. Les apôtres le parlaient en langue, ce n'était pas ba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 b. Aucun d'eux. La Bible dit dans Actes chapitre 2, à chapitre 1, là, chapitre 2, parlant de langue. On cite le nom des langues qu'il parlait. Mède, Élamite, Parthe, arabe, chinois, les langues de l'Asie. L'Asie mineure. Et puis, on citait. C'était des langues viables. Des langues claires. Des langues articulées. C'est pour ça que l'apôtre Paul a remarqué qu'il y avait des frères qui faisaient les bababababobo. Et il leur dit, non mes amis. Quand vous parlez en langue, ça doit être une langue intelligible. Ton parler en langue doit être... Puisque si c'est la langue des hommes que tu parles, c'est une langue qui existe quelque part. Quand tu parles, je dois entendre comment les mots varient. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en linguistique la relation onomatopéique. C'est celle qui va... C'est-à-dire que chaque son, chaque idée est traduite par un son. Et chaque son, un mot. Quand tu vois le soleil, ça s'appelle soleil. La lune s'appelle lune. Les étoiles s'appellent étoiles. On n'appelle pas soleil, soleil. La lune, soleil. Et l'étoile, soleil. Papa, soleil. Maman, soleil. L'eau, soleil. Il n'y a eu aucune langue qui existe comme ça. Chaque objet a un nom. Et chaque nom a une sonorité. C'est ça qui fait l'intelligibilité d'une langue. Donc tu ne peux pas venir dire que tu parles langue du 1er au 31. C'est shakata, 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 shakata. Même les démons, leur langue est intelligible. Toi, tu sors d'où avec ta part. Where are you coming from with yours? Et c'est ça que les gens imposent aux gens. That's what people impose. Après 2 années de formation, after 2 years of training, j'ai posé une question à l'école, à mes camarades. To my mates. Je leur ai dit, est-ce que vous m'avez déjà entendu parler en langue un jour? Them, have you already heard me speaking in Ils m'ont dit non. They told me no. Sauf quand tu parles le Fufulde là. Except when you speak Fufulde. Et les Fulbe, eux disent non, sauf quand tu parles le latin. Ceux qui entendent latin disent non, sauf quand tu parles le grec là. Ceux qui entendent grec disent non, sauf quand tu parles le chinois là. Les gens étaient confus. Il y a les nordistes ici. Et si les nordistes, il y a les gens qui parlent le fufulde ici. Tu parles fufulde. Quand je parle en langue, tu comprends ce que je dis. Donne-lui un peu le micro. Il n'y a pas le micro. Ah, mes gens, ça va. Maître, calme-moi. Quand je parle en langue, tu comprends ce que je veux dire? Non, papa. Il y a qui aussi qui parle Fufulde ici? Donne-lui. Quand je chante en langue, tu comprends? Non, papa. Pourquoi? Parce que cette langue n'est pas Fufulde. Ok. Bon, qui comprend Hausa? Who understands Hausa? Qui parle Hausa ici? Donne le micro. Quand je parle en langue, tu comprends? Hein? Non, mon père. Pourquoi? Why? Je ne sais pas. Oui, qui? Maman, vous parlez aussi Hausa? Do you also speak Hausa? Vous parlez Hausa? Donne-lui un peu. Quand je parle en langue, tu comprends?
Qui est tout pourri ici? Who is too poor here? Ou bien, qui est tout pourri? Ah, ok. Qui est tout pourri au monde en haut? Monde en? Quand je parle en langue, vous comprenez ce que je dis? Non, papa. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le tout pourri, ça ne ressemble même pas. Ok, donc vous voyez. So you see. Quand je leur ai dit que ce n'est pas ma langue, ce n'est pas le foufoudé. Ils ont dit que ce n'est pas possible. They said it is not possible. Pourquoi t'on parlait en langue comme ça? Le surveillant des étudiants qui ne croyait pas parler en langue m'a appelé à côté. On est allé à côté. Il m'a dit, Pastor Ferdinand. C'est un anglophone. Il m'a dit que je veux le Saint-Esprit, mais c'est ta part que je veux. I want the Holy Ghost, but it is your own I want. Il m'a dit que l'autre que c'est bobo là, je ne crois pas ça, je ne veux pas le genre. C'est ta part que je veux. It is yours I want. Si tu parles en langue, tu ne fais pas bababa, bobo. Tu n'as pas parlé en langue. Oh, c'est faux. C'est la fausse glossolalie là-bas. It is a fake speaking in tongues. Tu ne peux pas entrer dans une église, mon ami. You can't enter a church, my tout le monde parle la même langue avec le pasteur. Donc le Saint-Esprit n'a plus de langue. So the Holy Ghost have no more. La Bible dit qu'à la Pentecôte, il y avait multiplicité de langues. There was multiplicity. Chacun parlait selon que le Saint-Esprit lui donnait de s'exprimer. Pas de zozoter, de s'exprimer. En français, quand on dit s'exprimer, ça veut dire parler dans la richesse de la langue, la richesse des mots. Quand je suis arrivé à Yaoundé, dans les années 2000-2001, j'étais à la vraie église à Etoua Meki. Il y a Etoua Meki, il faut qu'il y a un montant, il y a une vraie église là-bas, il y a une assemblée là-bas. Et j'ai donné les cours d'espagnol en soirée. Il y a une maman qui était directrice d'une école. Elle n'aimait pas venir au cours d'espagnol. Donc le pasteur qui donnait le cours d'espagnol et que je remplaçais quand il était occupé m'avait dit qu'il a tout fait pour que la maman là vienne apprendre l'espagnol gratuitement dans le club d'espagnol de l'église. Elle a refusé. Un dimanche matin avant le culte, je dirigeais la prière et je me suis mis à parler en langue. J'ai longtemps parlé en langue, longuement parlé en langue. Quand j'ai fini de parler en langue, la maman là est venue à côté, elle s'est assise sur mon banc. Elle m'a dit, wow, je veux aussi apprendre l'espagnol là. Le même dimanche soir, elle est venue au cours d'espagnol avec son cahier et son bic. Elle a suivi son cours d'espagnol. She followed her lesson. Le culte qui suivait, the next service, elle m'a encore suivi parlant langue. She heard me speaking in tongues again. Et elle est encore venue à côté de moi. She came again beside elle a dit, mais l'espagnol, me. Si c'est un peu différent de ce que tu nous enseignes. Is a little bit different from what you teach us. Moi, c'est ceci que je veux que tu m'enseignes. It is this one I want you to teach me. Parce qu'elle ne comprenait pas. Because she did not understand. Mes amis, parler en langue, ce n'est pas les yeux. C'est un don merveilleux. Mais que les gens ont saboté. Un homme qui a le Saint-Esprit en lui, la divinité est entrée en lui. La divinité. Toute la sagesse par laquelle Dieu a créé les choses visibles et invisibles habite en lui. La personne qui a l'origine de cette sagesse est en toi. Il est inadmissible que tu aies le Saint-Esprit. Tu ne comprends pas la Bible. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Christ que je connais ici. Tu ne peux pas. La Bible dit de lui, il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous conduira dans toutes. Tu ne peux pas être baptisé dans le vrai Saint-Esprit. Ta vie est encore dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Un élève ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Et en classe, il est bête. Ce n'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Tu ne peux pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Ta manière de préparer à la maison, le sel déborde toujours. Le piment déborde toujours. Ton mari se plaint toujours. Parce que l'Esprit de Christ. Écoutez, quand l'Esprit est en toi, je parle du vrai Saint-Esprit, je ne parle pas du de celui de Baba Bobo. Quand l'Esprit de Christ est en toi, l'intelligence des dieux est en toi. C'est que les anciens appelaient l'intelligence des dieux. Nebuchadnezzar parle quoi de Shadrach, Meshach, Abednego? Il dit l'intelligence
tes dieux et en eux, puisqu'ils ne connaissaient pas notre Dieu. Tu deviens redoutable en sagesse, redoutable en intelligence. Tu as des capacités au-dessus de l'homme. Tu n'es plus un homme psyché, comme la Bible le dit, c'est-à-dire un homme animal. Tu es un homme esprit. Tu deviens un Dieu. Les gens jouent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est redoutable, mes amis. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Christ et Satan te manque de respect. Ou un démon te parle fort. Ce n'est pas possible. Regardez les apôtres. Avant le baptême dans le Saint-Esprit, les démons leur résistaient. Jésus les trouvait toujours en train de se quereller avec les gens qui amenaient leur démoniaque. Comment jamais l'enfant, vous n'arrivez pas à le délivrer? Seulement quoi avez-vous? Vous le suivez alors pourquoi? Tous les jours, les gens les insultaient. Mais après le baptême dans le Saint-Esprit, on n'a plus jamais entendu qu'un démon. Les démons confessaient plutôt que Paul, je connais. Jésus que Paul prêche, je connais. Et vous, qui êtes-vous? Après le baptême dans le Saint-Esprit, même Pierre, qui était faible dans la foi, est devenu quelqu'un de redoutable. Quand tu n'as pas le baptême dans le Saint-Esprit, tu es quelqu'un en qui on ne doit pas mettre la confiance 100%. Donc, c'est comme si j'ai raconté une histoire sur l'Esprit de Christ. C'était quoi? Quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, when I was baptized in the Holy Ghost, bien-aimé en classe, beloved in class, on causait en langue avec les frères. In tongues with brothers. On était remplis de l'Esprit. We were full of the Spirit. Quand le professeur posait une question, on répondait en langue. The lecturer asked the questions, we replied. Il dit pardon, pas parce que tu veux faire le désordre, mais parce que ça te dépasse. On ne se contrôlait pas encore. You could not control yourself. Fallait la maturité pour soumettre et gérer le parler en langue. Manage speaking in tongues. On m'a excommuné à l'église plusieurs fois à cause du parler en langue. Donc, vérifie ton parler en langue sur la montagne ici. Check your speaking in tongues on this mountain. Si c'est chaka bobobo, répands-toi. Demande à Dieu que tu ne veux pas descendre si tu n'as pas baptisé du vrai Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Donc, vous voyez, à l'école biblique, j'ai demandé au pasteur, vous m'avez entendu parler en langue? Ils m'ont dit non, en dehors de la langue, vous voulez les langues du nord que tu parles là. Les gens partent, vous avez laissé les choses dehors. Ok. Bon, allez alors, après la pluie, on revient. Amen. Non, non, allez d'abord, les cœurs des gens ne sont pas ici. Vaut mieux parler à quelqu'un que son cœur à côté de lui.